Hola tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec un ou une, je ne sais plus comment on dit ça, une inboxing, bon, une ouverture de colis. Parlons français, on est en France. Bon, j'ai reçu donc ma commande de chez Beauté Privée. Écoutez, alors j'avais mis un post sur Facebook pour demander justement combien de temps de délai avait Beauté Privée. C'est la première fois que je commande chez eux. Il y en a qui m'ont dit, oh, ben, faut pas être pressé. Il y en a qui m'ont dit, très, très vite. Eh bien, j'ai eu la chance de recevoir mon colis en une semaine. Écoutez, j'ai commandé le 7, je crois, ou le 6, et je l'ai reçu le 14. Donc, voilà, plus d'une semaine. Mais c'est quand même super bien. Donc, j'en ai eu pour 20 euros et des brouettes. Alors, tout d'abord, on va commencer par, voilà. J'ai reçu un petit échantillon comme ça de chez Sephora, puisqu'ils m'ont envoyé une carte comme ça, Sephora, avec le Lady Million, donc le doré. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes. Je ne m'intéresse pas tellement à comment, à Paco Rabanne. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas des parfums qui me plaisent et pour cause, celui-ci ne me plaît pas non plus. Donc, je suppose que celui-ci, c'est le, eh bien, c'est le Fabulous, le Fabulous ou le Fabulous. Alors, à l'intérieur, c'est floral et solaire. Il y a du ylang-ylang. Je crois que le ylang-ylang, ça ne passe pas. Il y a de la tubéreuse et de la vanille. Donc, je crois que ça va être dans ma petite box que je vous mets, voilà, pour vous. Et quand j'en aurai une box qui est assez conséquente, eh bien, je ferai un petit concours. Donc, voilà ce que j'ai reçu en échantillon. Je ne savais pas que ils envoyaient des échantillons. Ensuite, j'ai voulu tester une eau de parfum de chez Les Essentiels. Et c'est le Patchouli. Je vous mettrai le prix de chaque article. Donc voilà, le boîtier est comme ceci. Nous adorons le patchouli, chérie et moi. Voilà, on est resté un petit peu bloqué, vous savez, dans les années 70. Et Dieu sait si on en a essayé quand même pas mal. On voudrait retrouver l'original. Vous savez, les petites fioles comme ça, les petites bouteilles où il y avait marqué India. Alors, ça, c'était le plus fort des patchouli. Et voilà, bon, j'ai beau chercher sur Internet, je n'arrive pas à trouver. Bon, bah écoutez, j'ai pris celui-ci. Alors déjà, la couleur bleue du produit, voilà. Alors, il sent très très bon à la vaporisation. Voilà, et ça sent très très bon à la vaporisation. C'est vrai que ça a bien une odeur de patchouli quand on quand on le pose. Et puis, eh bien, quand il vit, on va dire, eh bien, les senteurs se barrent. Ça, c'est un problème. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, mais ça fait rien. Pour un petit parfum avant de se coucher, ça sera très très bien. J'adore me parfumer avant de dormir. Écoutez, oui, et ben oui, et ben oui. Voilà, il faut que j'aie du parfum avant de dormir. Je ne sais pas si vous vous le faites. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous vous parfumez avant de dormir. Mais moi, j'adore ça. Donc, ce petit parfum, c'est une contenance de 80 ml. Ensuite, passons au glamour. Je me suis pris des strips. Alors, ils disent des strips, mais il y a le côté français. Des bandes de cire froide pour le visage. Oui, bah oui. De chez Biphase. Donc, c'est comme ceci. Eh oui, eh oui. Les joies de la ménopause, mes chers amis. Ne nous cachons pas. Nous avons toutes plus ou moins un ou deux poils qui se battent en duel sur le visage. Eh bien, oui. Donc, je vais essayer ça. Ce sera la première fois que je testerai. Donc, on va voir. Je vais l'ouvrir pour voir. Ça tourne toujours. Ouais. Écoutez, ça a coupé net, quoi. Ça a coupé net. J'avais plus de place sur mon téléphone. Je ne sais plus où j'étais rendue. Alors là, je vous mettrai donc le prix de cette petite huile de 100 ml. Donc c'est de l'huile de Tahiti. Je sais pas où j'étais rendue. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve.
En tous les cas, voilà, je suis très contente de l'avoir et elle sent extrêmement bon. Et moi, j'adore ces odeurs-là pour, voilà, quand le soleil arrive, quoi. J'adore, j'adore, je sens bon. Oh, entre ça et le patchouli le soir, mais... Oh, je me suis pris également un shampoing soin à 0% sulfate, méga hydratant, la marque Énergie Fruits, voilà, à l'huile de monoï et huile de macadamia. Donc, made in France, 95% d'ingrédients naturels et c'est vegan. C'est pour cheveux secs et abîmés. Ce n'est pas du tout mon cas. Mais je prends ça quand même. Oh, puis alors ça. On est en été, les gars. On est en été. Donc, voilà, vous avez vu le prix. Et pour finir, alors, pour finir, je me suis pris par nostalgie un color. Tatou, et c'est le numéro 20, c'est le turquoise. Alors, je sais pas, ils ne le font plus, hein, je pense pas. Hein. Dans les grands centres, je les vois plus, hein, il me semble pas, mais sur Beauté Privée, eh bien, on a ce privilège de retrouver des produits que l'on a adorés. Et moi, j'ai adoré ce produit-là. Donc, on va l'ouvrir ensemble, hein, pour celles qui ne connaissent pas, parce que de toute façon, si vous ne pouvez pas le trouver dans vos grands centres, vous pouvez toujours vous rabattre sur Beauté Privée. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà, c'est comme ceci. Voilà, un joli turquoise, donc color tatou. Et c'est vrai qu'ils sont très, très bien. Donc, bien sûr, un tuto arrivera. Vous connaissez mon amour pour le bleu. Eh bien, un tuto arrivera, ça, c'est certain. J'ai la preuve de quand je l'ai, comment dirais-je, commandé. Donc, c'est le 8 avril. Voilà. Et nous sommes le 14 avril. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, je compte sur mes mains. Bon, bref, je vous embête plus. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Voilà, prenez soin de vous. Profitez du soleil. En ce moment, on a du soleil, mais il fait encore un peu froid. Donc, couvrez-vous quand même. Je vous embrasse toutes et tous très, 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 très fort. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.